Bonjour à tous, ici Sandra Sirois et bienvenue à Mille Visages. Mille Visages est une émission qui a comme but de faire rayonner le vivre ensemble et de discuter des enjeux des personnes issues des différentes communautés culturelles au Québec. Et aujourd'hui, on célèbre la femme! Oui, parce que malgré qu'on habite dans une société qui se veut égalitaire, comme dirait notre ami le chanteur Cookie Dingler, être une femme libérée, ce n'est pas si facile. Et aujourd'hui, je suis entourée de femmes exceptionnelles avec moi en studio. Je vous les présente dès maintenant. Premièrement, notre collaboratrice du jour, Sonia Gaillard. Sonia, de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Aujourd'hui, je vous parle de trois blogueuses qui n'ont pas froid aux yeux. Je vais vous les présenter un peu plus tard. Elles sont issues de la diversité culturelle. Merci beaucoup, Sonia. Je reçois également Leslie Perez, qui est mère à temps plein, entrepreneur, chroniqueuse télé, consultante en communication. Bref, comme toutes les femmes de sa génération, elle se tient occupée. Et Leslie a accepté de venir nous livrer un témoignage sur les défis de la femme d'affaires moderne. Merci beaucoup, Leslie, d'être là. Merci à vous. Merci. Mais d'abord, je reçois une spécialiste de l'histoire des femmes du Québec. Elle est tellement passionnée par ce sujet qu'elle en a créé un musée. Je reçois Lydie Olga Tapp, qui est avocate, muséologue et également fondatrice du Musée de la femme à Longueuil. Merci beaucoup, Madame Tapp, d'être là. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Parlez-nous du Musée de la femme. Quelle est sa mission? Alors, la mission, c'est la promotion de la condition féminine à travers des récits de femmes, donc, et aussi des collections d'objets, des formations, donc tout pour l'empowerment des femmes, donc l'autonomisation des femmes, la célébration du féminin. Alors, c'est à travers nos récits, les récits de nos grands-mères, des filles du roi, à nous-mêmes immigrantes d'origine, enfin, qui sont arrivées plus tard, mais qui sont arrivées avec aussi une démarche de bâtir un pays, que, ben, on permet cette transmission intergénérationnelle à travers le temps. Et pourquoi avoir décidé de créer un musée de la femme au Québec? Mais parce que je suis une femme. Alors, ben, au Québec, parce que j'ai été fascinée comme immigrante arrivée ici il y a une trentaine d'années. J'étais fascinée aussi par les récits de femmes qui ont contribué aussi à faire de moi ce que je suis devenue. Et il m'apparaissait important de mettre ça en évidence parce que je pense que c'est aussi une approche pour permettre l'autonomisation, aussi la prise en charge, la prise de pouvoir et l'exercice du pouvoir. Pas juste la prendre de pouvoir, mais l'exercer. Je pense que c'est un bel exercice aussi à faire vivre. Ça m'a aidé moi, donc je me suis dit probablement ça peut aider d'autres personnes. Donc on n'est pas juste dans une posture d'exposition ou de mise en exposition, on est dans une posture d'autonomisation, de prise en charge de soi. Donc c'est une autre approche complètement que les téléspectateurs vont découvrir au fur et à mesure probablement de notre entrevue. Et ça, c'est très intéressant. Et je veux savoir, quel genre d'exposition peut-on voir au Musée de la femme? Alors, il y a une exposition permanente qui célèbre 400 ans d'histoire au féminin, donc de 1617 à nos jours. Alors, à travers cette exposition-là, il y a quatre moments forts. Donc, l'arrivée des filles du roi, les années 20 où les femmes sont devenues des personnes en 1929, la preuve, dans le cadre un peu dans la foulée de la Première Guerre mondiale qui s'est terminée en fait juste après. Et après la Seconde Guerre mondiale où les femmes, on leur a demandé de retourner à la maison puis qu'elles n'ont pas voulu retourner à la maison. Il y en a beaucoup qui sont restées sur le marché du travail. Et cette époque-là, enfin les années, la Révolution, les années 60. Donc c'est à toutes ces quatre étapes, moments forts qu'on peut vivre à travers l'exposition permanente. Et on a des expositions temporaires. On en a fait à peu près 27 depuis 10 ans. Alors, ces expositions temporaires, elles sont aussi itinérantes, donc qui peuvent être traversées le Québec, donc voilà, mais qui ont une approche très, très contemporaine, en fait, où il y a des performances, c'est très performatif, et c'est voulu comme ça parce que le visiteur est notre objet de musée. Nous avons développé ce que nous appelons aujourd'hui la muséologie dite féministe, qui est une approche complètement différente des autres musées. Donc, c'est ça qui nous différencie des autres musées.
le musée, dans nos musées, dans le musée de femmes en général, parce que je suis très impliquée dans d'autres musées de femmes. Le visiteur est notre objet d'exposition. C'est lui l'acteur. C'est un acteur. C'est pas quelqu'un qui absorbe l'information et qui est passif. Il est très actif, le visiteur. Mm-hmm. Vous avez créé le musée dans une maison et je pense que c'est une symbolique importante pour vous. Très, très importante. Et j'étais très contente cette semaine de voir passer dans les informations en général que le bungalow, il y avait une discussion autour du bungalow et que le bungalow devait être pensé comme étant un objet patrimonial. Alors nous, ça fait 10 ans qu'on le pense et ça fait 4 ans que c'est actif dans notre démarche. Le bungalow s'inscrit vraiment dans l'imaginaire des Québécois. Mm-hmm. Soit la grand-mère, soit les parents, soit... on oublie souvent que c'est une architecture d'après-guerre, donc l'âge d'or, donc dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, mais qui s'inscrit aussi dans une démarche très sexiste. C'est le seul bâtiment au monde qui a été pensé pour confiner les femmes à la maison, avec des entrées sexuées, l'entrée en avant pour monsieur le curé et la grande visite, et l'entrée d'à côté, la porte d'à côté, la petite porte d'à côté mm-hmm. pour madame, la reine du foyer, qui arrivait dans son royaume, la cuisine. Sur votre site Internet, on peut lire la phrase suivante. Bien trop de femmes dans bien trop de pays parlent la même langue, le silence. Tout à fait. Que vouliez-vous dire par rapport à ça? Alors, vous savez, juste pour donner un petit rappel, il y a quelques années, nous avons eu le MeToo. Oui. Alors, le MeToo, ce hashtag MeToo, on disait on brise la libération de la parole. Mais ça dit beaucoup. Oui. Parce qu'en fait, à travers le monde, ce qu'on a en commun, toutes les femmes, en fait, c'est le silence. Et nous avons travaillé toute notre scénographie d'exposition avec cette phrase. Donc, ce qui fait que le musée de la femme a été fondé par une Sénégalaise d'origine, mais du coup, le musée de la femme parle à l'Asiatique, parle à la Sud-Américaine, parle à la Québécoise, parle à la Française, parce que ça a été construit sur cette phrase-là. Bien trop de femmes dans bien trop de pays parlent la même langue, et c'est une citation d'Assumpta, qui est une historienne indienne. Mm-hmm. Vous parlez du mouvement, moi aussi, et oui. Vous êtes avocate. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer du point de vue juridique au Québec pour les femmes? Mais tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de MeToo, libération de la parole, sauf que il y a d'autres femmes qui ne parlent pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des organisations qui sont souvent sous-financées, hein, on va le dire, les organismes de femmes? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour permettre cette libération de la parole? Comment on peut travailler avec d'autres organismes dans le milieu pour aider? Comment qu'il va y avoir de l'accompagnement pour qu'il y ait des gens qui peuvent aller jusqu'au bout? Il y a des procédures, parce qu'on a vu qu'il y a y a d'autres femmes qui ont été en cours pour d'autres cas qu'on ne citera pas, mais qu'il n'y a pas eu de suite nécessairement. Donc, je pense qu'il y a... Les gens se questionnent aussi, c'est quoi l'exercice? Parce que dans le fond, si on fait l'exercice, c'est qu'après, il n'y a pas un suivi, puis il n'y a pas une aide, on a un souci, en fait. Vous êtes sénégalaise. Tout à fait. Et vous êtes arrivée au Québec il y a 30 ans. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu la situation des femmes québécoises versus des femmes sénégalaises? Alors, les Sénégalaises, c'est des femmes très déterminées, hein, très engagées. Vous avez l'air vraiment déterminée, engagée. Ouais. Ça, je vous l'assure. Alors, je casse le préjugé que les Africaines sont calmes, douces, victimes. Ce n'est pas ça du tout. C'est des sociétés très, très matriarcales. Il y a quand même une certaine forme, on va dire, de complémentarité. On ne dira pas d'égalité, parce que je ne pense même pas qu'elles revendiquent l'égalité. Elles revendiquent la complémentarité. Et du coup, nous avons eu des groupes de femmes très, très, très engagées qui ont participé à la Marche mondiale des femmes, qui ont été dirigées par des femmes qui étaient deuxième épouse. Mm-hmm. Hein? Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont victimes, mais bon. Donc, c'est très, très culturel. Mais le côté très déterminé, ma mère disait toujours le travail premier mari. Elle disait toujours qu'il fallait être autonome financièrement. Donc, moi, je pense que quand on parle d'égalité, on parle beaucoup d'autonomie financière. Parce qu'on ne peut pas revendiquer l'égalité quand on est dépendant. Qu'on est dépendant d'un conjoint, qu'on est dépendant d'une famille, d'un père, d'une société, d'une communauté, on ne peut pas parler d'égalité. Le discours, il doit être un discours qui parle aussi d'autonomie financière. Mm-hmm. Leslie et Sonia, vous avez des origines du Maghreb. Oui. Est-ce que c'est la même chose, pensez-vous, dans ce coin du monde? Bien, je ne sais pas si tu veux y aller, mais sinon, moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. J'aime beaucoup aussi le fait que tu mentionnes que c'est une complémentarité qu'on recherche et non nécessairement une égalité. Si je trouve ça intéressant comme point de vue. Je trouve ça vraiment... tu sais, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Oui. Mais oui, ça fait beaucoup écho dans un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Oui, moi aussi. Oui. Tout à fait, oui. J'adore ma maman, mais c'est une femme qui...
qui garde le silence pour pas envenimer les situations. Mmh. Et mais il y a des gens qui trouvent une force dans ça aussi. Mmh. Oui. Merci beaucoup, Madame Tapp. Ce fut très intéressant. Donc, le musée de la femme à Longueuil à visiter. Maintenant, merci. Philippe Lecouf, notre reporter, a rencontré une femme autochtone qui a voulu faire une différence dans la vie des femmes de sa communauté. On regarde son reportage. Aujourd'hui, je me retrouve au pénitencier pour femmes de Joliette et je viens rencontrer Mme Ginette Nadon, qui, grâce à ses interventions de soutien, vient vraiment favoriser l'esprit de communauté et de partage des femmes. Mon rôle est beaucoup plus un rôle de soutien, d'écoute. Je suis ici pour les aider dans ce qu'ils vivent, mais pas pour leurs questions de crime, mais questions d'équilibre, de retrouver un peu l'équilibre dans leur vie, pouvoir aussi faire les bons choix, apprendre à faire les bons choix. Donc, je suis une écoute. S'ils ont quelque chose, ils savent qu'ils peuvent venir me parler. Je ne vais pas faire, moi, de rapport, à moins que ce soit une menace contre quelqu'un, mais ils savent que ce qu'ils me disent, ça reste confidentiel. Ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont vécu des choses super, super... des bouts, je pourrais dire, mémorables, difficiles. Ils ont un parcours épouvantable. La confiance ne se fait pas nécessairement facilement, même entre eux autres. J'ai des femmes, la majorité des femmes qui viennent ici viennent d'une autre région, viennent de gangs de rue. La première émotion qui nous monte souvent quand on vit quelque chose, c'est la colère. Mais la colère n'est pas une émotion en tant que telle pour moi. Elle cache toutes les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas réagir sur la première. Il faut analyser, voir est-ce que c'est parce que je me sens rejetée. Est-ce que... Donc, je vais travailler ça beaucoup. Et des fois, quand ils vont me dire, bien, moi, j'ai décidé de faire ça, je vais les ramener aux fameux deux loups, là, le loup blanc, le loup noir, lequel tu nourris là-dedans en faisant ça. Et dans la direction du sud, il y a le loup comme animal totem, mais il y a aussi le coyote. Et le coyote, c'est celui qui va nous faire faire les mauvais choix, celui qui va nous jouer des taux, qui va nous faire accroître des affaires. Fait que je vais les ramener avec ça. On travaille beaucoup avec l'image, les animaux et tout ça. Fait que s'il a fait quelque chose, je vais dire, attends, là, je pense que ton coyote il est en train de te jouer un tour. Pense-y comme il faut, t'es sûr que c'est la bonne affaire. Fait que je vais me servir comme ça quand on discute ensemble. Et, Ce que les femmes aiment le plus, c'est le perlage. Donc, ils font des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, ça, tout en perlage. Présentement, ils sont dans un gros projet de perlage qu'on appelle Wampum. J'ai invité une autre aînée d'un autre département, d'un autre pénitencier à venir partager ses connaissances. Ça, c'est ce qu'ils aiment le plus faire. Mais on fait de la peinture. Là, ils ont demandé pour faire de la couture. Ils veulent faire ce qu'on appelle un Star Blanket, qui est une couverture spéciale forme avec, qui fait une étoile pour les femmes disparues et assassinées. On fait des cercles aussi de paroles sur les enseignements des 7 enseignements sacrés, puis la roue de médecine. Moi, ma force, c'est la roue de médecine. Et ça commence, bon, avec les 4 directions, donc l'est, le sud, l'ouest et le nord. Chaque direction a un animal totem, a une couleur, a aussi son enseignement. On s'est rencontrés ce matin, j'étais dans l'est. Maintenant, je discute avec toi, ça m'amène des émotions, je suis dans le sud. Pour ne pas réagir sur ces émotions-là, je dois aller dans l'ouest pour les analyser, dire pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que ça vit, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Et à partir de là, être capable d'aller au nord, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions dans ma vie. On n'a pas à juger. It helps a lot with our everyday life because, like, a lot of us are really angry and, yeah, just teaches us to humble ourselves and to respect each other. We gotta, like, respect each other and take care of each other. That's our teaching. So that's pretty much how it was. Before I couldn't, I used to stay to myself. Quand les audiences de la libération conditionnelle ont lieu, on me demande tout le temps, quand, à moins que la détenue ne veuille pas, mais la détenue va demander, admettons, une audience autochtone, je vais me présenter. Et je suis là pour la soutenir dans ça, mais aussi beaucoup pour parler au commissaire du cheminement que la fille a fait. À savoir si oui, moi, je soutiens qu'elle devrait être libérée. Et puis, ils vont vraiment m'écouter. Ils vont prendre tout ce que je dis en note et ça va peser dans la décision. Ils ont un grand besoin. Ces femmes-là ont vraiment besoin d'aide. J'aime que d'autres femmes viennent les aider, viennent leur enseigner ce qu'ils ont. Et la porte est ouverte, je pense, à toute personne qui... Je pense qu'un des prérequis, c'est de ne pas voir ces femmes-là comme des criminels. D'être ici pour les aider,
en tant que femme souffrante. Parce que pour moi, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Donc, ces femmes-là ont énormément souffert, les hommes aussi. C'est ce qui les a emmenés dans la violence et la méchanceté, je pense. Vous êtes toujours à 1000 visages. Et maintenant, Sonia va nous présenter quelques blogueuses de la diversité, parce que c'est vrai, grâce aux réseaux sociaux, les femmes ont de plus en plus d'opportunités de s'exprimer. Oui, c'est bien ça. Mais avant, pour mettre la table, je voulais vous faire part de quelques statistiques que je trouve un peu déroutantes, qui font un peu peur. Mm-hmm. En fait, en 2018, une étude réalisée par Amnesty International en collaboration avec une entreprise montréalaise d'intelligence artificielle Element AI révèle qu'il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux à l'égard des femmes, mais surtout des femmes racisées. Mm. À titre d'exemple, en 2017, il y a plus de 2 million de tweets qui ont été envoyés en direction des femmes, mais surtout, comme je vous dis, des femmes racisées qui ont participé à l'étude. Madame Tapp, est-ce que ça a été votre cas? Avez-vous déjà eu des messages haineux? Non. Non, je pense OK. Que non. Bon, vous ne faites pas partie des statistiques, on est heureux, c'est bon. Des statistiques. Tant mieux, tant mieux. Mais je comprends, je vous suis dans votre information. Je pense que ça a été validé, ça, c'est partout. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, en fait, justement, pour un peu rebondir, pour continuer dans les stats, avant de tomber dans le vif du sujet, oui. Les femmes de couleur, justement, noires, hispaniques, asiatiques, métisses, ont 34 % plus de chances de recevoir ce genre de tweet que les femmes blanches. Et si on fait la même comparaison au niveau des femmes noires, ça monte à 84 %. Mon Dieu, c'est choquant. Donc, vous êtes vraiment chanceuse de justement pas en avoir reçu. Et là, maintenant, des blogueuses de la diversité qu'on devrait suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter Mana Drissi, Dalila Awada et Takwa Souissi. Mm-hmm. Donc, on commence avec Mana. Mana, elle est née au Maroc en 1989 et elle a grandi à Montréal. En fait, c'est la blogueuse derrière le blog Montée de lait, un blog où elle parlait des up and down, des joies, et, des hauts et des bas, en fait, de la maternité. Ensuite, on a pu la lire un peu dans le blog TPL Mom, un blog assez connu, un blog collaboratif, chez Coup de pouce, oui, exactement, chez Coup de pouce, à Châtelaine. Et dans le journal Métro, on a pu aussi l'écouter à la radio, au micro de Gravel le matin. Il y a plus on est de fou, plus on lit sur les ondes d'ici Radio-Canada Première, pardon. Et pour terminer, on a pu la voir, entre autres, aux échangistes comme collaboratrice. Mm-hmm. Et là, maintenant, une deuxième blogueuse. La deuxième, c'est Dalila Awada, qui est très connue aussi aux réseaux sociaux, en fait, dans la sphère publique surtout. Oui. C'est une militante activiste qui a beaucoup de causes, en fait, le véganisme ainsi que le féminisme. Elle est aussi derrière, la cofondatrice, pardon, derrière l'organisme Fondation Parole de Femmes. Donc, c'est un peu, l'organisme, en fait, c'est à but non lucratif. C'est pour donner la chance aux femmes racisées et autochtones de pouvoir s'exprimer ensemble et d'échanger sur des sujets dans le respect et sans jugement. Donc, un peu comme au Musée de la Femme, exactement. Finalement. Oui, un peu comme je la connais d'aller là, j'ai été en entrevue avec elle. Ah oui? OK, oui, intéressant. Donc, c'est ça, c'est un peu comme des safe space, en fait, où est-ce que, justement, ils peuvent tous partager leur réalité. Et, en fait, Dalila m'expliquait qu'elle a trouvé ça vraiment difficile de percer dans le monde des médias, qu'on lui a dit souvent de se taire, qu'on lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas sa place, en fait, dans le monde des médias. Et si je peux continuer, je vais continuer avec Takwa. Oui. Takwa Souissi, qui est blogueuse et journaliste, en fait, et elle est derrière le blog Un livre et érable, qui est un blog aussi collaboratif sur la parentalité. Puis en fait, dans ce blog, on parle beaucoup d'identité culturelle, de multiculturalisme, d'échange, de parentalité, etc. Et elle aussi, elle m'a confié qu'elle a trouvé ça très difficile au début, qu'on lui a même demandé de retirer son voile, si elle voulait une carrière devant la caméra, mais qu'elle m'a confié que le jour où elle a décidé de croire en elle, de croire en sa plume, puis de vouloir et de foncer, de s'entourer des bonnes personnes, ça a été beaucoup plus facile. Super, bien, très intéressant. Et vous pouvez voir les sites Internet et les adresses à l'écran. Merci beaucoup, Sonia. Merci. Maintenant, nous sommes allés sur la rue pour vous poser la question. Quelles sont les qualités qui font en sorte que les femmes sont indispensables au sein d'une société? Voici ce que vous nous avez répondu. Ce que j'apprécie des femmes du Québec, je dirais, c'est leur indépendance, leur force de caractère, puis... Je pense qu'on est beaucoup créatifs et on n'a pas peur de dire ce qu'on pense. Détermination, volonté, qui sont, je dirais, débattantes, ils ne se laissent pas faire. Puis c'est justement avec ces qualités-là qu'on se fait entendre dans la vie de tous les jours. Moi, je trouve qu'elles s'adaptent très facilement
et qu'elles acceptent parfois des choses qu'elles n'aiment pas, mais parce qu'elles sont capables de le faire. Chez nous, on dit que la femme est un potomitan. Okay. Donc en traduction, ben, c'est un petit peu les fondations. C'est une maison sans fondation, sans pilier, ne tient pas en fait. Donc la femme, c'est avant tout ça. Comme je trouve que les femmes, c'est vraiment comme des personnes très débrouillardes, qui font vraiment des trucs qui peuvent même comme... qui peuvent faire même plus que les hommes aussi. Fait. Elles sont la colonne vertébrale d'une société. Si la femme va bien, la société va bien. Les femmes sont très organisées dans leur façon de faire et les hommes sont plus... selon moi, la force vive de tout ça. Et puis, je trouve que ça, quand on travaille les deux ensemble, ça fait souvent des bonnes synergies, là, pour vrai. Sans la femme, l'avenir de l'homme n'existe pas. On célèbre la femme aujourd'hui à 1000 visages. Et pour l'occasion, je m'entretiens avec une femme qui a beaucoup d'ambition. Leslie Perez, qui est, attention, consultante en communication, entrepreneur, chroniqueuse télé, mère à temps plein. Oui. Wow, Leslie! Parlons des défis de la femme d'affaires moderne. Oh, est-ce que c'est facile d'avoir des grandes ambitions comme ça quand on a deux enfants à s'occuper à la maison? C'est pas facile, mais ça vaut la peine. Oui. On a un choix de vivre et c'est à notre façon. C'est aussi simple que ça. Comment on fait pour arriver financièrement lorsque justement on doit s'occuper de plein de choses? Oui, bien, on doit réaliser que nous ne sommes pas nos finances. On est plus que ça. Mmh. Il faut faire la part des choses. Alors, il y a plein d'activités où il y a plein de différentes... comment dirais-je? Il y a différents aspects à poursuivre. Alors, que ce soit la méditation et la prière pour se recentrer, se recharger, que ce soit aller bouger, faire des marches. Mais quelque chose de très important, c'est d'avoir des objectifs dans la vie. Mm-hmm. Et il faut suivre ses objectifs et il faut rester bien visé. Parlons du rôle de la mère. Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de pression sur les femmes pour être des mères parfaites? Oui. Oh oui, on est déchirées entre le travail, la maison, les obligations financières, les enfants. Mais il faut bien s'organiser et puis faire la part des choses. Et puis on prend ça jour par jour. Madame Tapp, vous êtes mère, vous aussi? Oui, j'en ai quatre. Quatre? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la pression sur les mains? Pas du tout. Moi, j'ai l'air stressée. Non, pas du tout. C'est une expérience que j'ai adorée parce que ça a toujours été... Je me suis sentie accompagnée, ça m'a motivée. Et puis voilà, moi, je suis dans un exercice d'accompagnement, de partage. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mmh. Ouais. Intéressant. Ouais. Eh bien, ça bon, apporte un plus, moi, je pense. Dans le fond, c'est on le prend ou on le prend pas? On tout la prend, on fait. La prend pas, oui. La pression. Ben on l'accueille. Moi aussi, je l'adore. Et ça me fait bouger. Mm. Mais c'est pas facile. Oui. Mais c'est le défi qui nous renforce. Mm-hmm. Et c'est une bonne chose. Vous avez aussi vécu un divorce assez difficile. Oui. Vous êtes maintenant mère monoparentale. Oui. Est-ce qu'il y a de la pression là aussi? À quel point? Ben, peut-être du point de vue conjugal, d'aller sur des dates. Est-ce que les hommes apprécient les femmes qui ont des enfants? Je pense qu'il y a des petits enjeux à ce point de vue-là. Oui. C'est pas facile. Ça fait déjà longtemps que je suis maman monoparentale, mais je reste focalisée sur mes enfants, sur ma famille, sur mes priorités. Mm-hmm. Et puis, si ça vient, ben, tant bien. Tant mieux. Et je pense que votre divorce avait été aussi assez difficile. Qu'est-ce que vous aviez fait pour passer à travers cette expérience-là? Ben, j'avais plein d'objectifs. Et puis, ce sont les objectifs qui m'ont poussée à m'accomplir. Alors, quand j'étais mariée, j'étais un peu coincée. Et puis, quand j'ai divorcé, j'étais comme un petit papillon. Et puis, je voulais redécouvrir le monde et m'accomplir. Mmh. On peut être seule et heureuse. Oh oui. Oui. Oh oui. Et ça, c'est très important de le savoir. Oui. Parce que des fois, il y a des femmes qui vont rester en couple parce qu'elles ne veulent pas être seules. Oui. Et ça, oui. C'est, je pense qu'on moi, en a. Moi, je leur dis toujours, vous prenez un échec comme un chèque. C'est bon? OK, ça y est. OK, on va se rappeler de ça. Leslie, vous êtes aussi de confession juive. Oui. Et comment la religion vous aide dans votre vie de tous les jours? Ah, ben c'est un développement de caractère. Oui. Il y a beaucoup d'études à faire et puis ça nous aide à nous renforcer notre côté positif. Et puis ça, c'est un aspect. Et aussi, dans la religion juive, il y a aussi l'aspect de la tzedaka. Tzedaka, c'est donner de soi-même, donner la charité. Et puis, on croit que donner, c'est vraiment pour les autres, mais c'est aussi pour nous-mêmes. On se renforce de cette façon-là. Mm-hmm. Oui.
On parle de famille et de mère. Madame Tab, vous, vous avez une famille multiculturelle. Tout à fait. Et recomposée. Fantastique. C'est cool d'avoir plusieurs cultures sous un même toit. Alors, c'est toujours des accommodements qui ne sont pas tout le temps raisonnables, mais on s'arrange quand même. Oui. Alors, ça, ben, c'est ça, c'est qu'il y a de tout, enfin, toutes les couleurs chez nous. Oui. OK. Toutes les couleurs, des métissages incroyables. Parce que je pense aussi que les enfants de votre conjoint sont asiatiques, hein? Oui, c'est mélangé asiatique. Wow, donc, c'est le monde c'est le monde chez nous. Et c'est ça. Donc, trouver... ce qui nous unit, c'est la famille. Mm-hmm. Donc, c'est déjà ça qui est majeur. Et puis, c'est l'autre, notre focus. Maintenant, chacun a ses particularités, ses petits désirs, ses petits... voilà. Mm-hmm. Mais c'est la famille. On a le sens de la famille. On trouve que c'est important de faire des choses ensemble, puis de se comprendre, puis de se tenir, de s'encourager. Puis de, voilà. Donc, c'est ça qui nous tient tous. Sauf que ça n'a pas toujours été évident. Par exemple, avec mon conjoint, l'éducation des enfants est un sacré problème. Lui, c'est un ami, puis moi, je suis un parent. Parce que moi, à l'africaine, je suis un parent, je ne suis pas ta pote, là. Mm-hmm. Voilà. Mais lui, c'est un Québécois. Donc, il est d'abord ami, et ça ne marche pas. Donc, c'était ça qu'il fallait ajuster, des choses comme ça. Ah, je comprends tout à fait. Et vous, Leslie, est-ce que c'est la même chose? Comment vous êtes avec vos enfants? Ben, c'est la discipline et puis c'est aussi l'amour, l'affection. C'est un peu le tout, finalement. Et puis c'est ça. Et puis je leur explique. C'est très important, la communication. Et je leur explique pourquoi est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et puis... Mm-hmm. Et puis, je pense qu'elle m'admire. Et puis, il faut être un exemple pour nos enfants. Mm-hmm. Oui. Et Sonia, toi, tu es née ici, mais tu es... Tu as des origines du Maghreb. Tes parents versus toi qui es née au Québec, comment ça se passe de ce côté-là? Ah, bonne question. En fait, moi, j'étais très, très chanceuse. J'ai eu une éducation qu'on dit chez nous, québécoise et marocaine. OK. Ça a été un mélange des deux. Ah, très intéressant. Ouais. Leslie, est-ce que vous avez des conseils pour les femmes qui aimeraient justement partir en affaires, mais qui ont des enfants à la maison? Bien, il faut qu'elles se retrouvent et il faut qu'elles aient des objectifs. Oui. Et puis, il faut qu'elles persévèrent. Et que aussi de s'occuper de soi-même. Très mm-hmm. important de faire la part des choses et de se renforcer. Surtout. Puis... oui, et puis pour moi, qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est la méditation. Mm. Pour se recentrer, pour se recharger, pour se renforcer. L'éducation aussi. Si on veut retourner à l'école, c'est pas un problème. Oui. Merci beaucoup, Leslie. Et merci à toutes d'avoir été là. Merci. Vraiment, vous avez été extraordinaire. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Ben, je vais vous dire quelque chose. Dans une autre revue à la Commission scolaire de Montréal, oui. C'était CSM, c'était CECM autrefois, okay. Et on m'avait posé la même question. Qu'est-ce oui. que vous connaissez? J'ai dit, mon Dieu, je connais toutes les expressions, mauvaises expressions québécoises, sauf que je ne les ai pas apprises de Québécois. Je les ai apprises de l'enseignant libanais qui était fâché et qui a pouf, qui m'a sorti toutes les expressions que je ne veux pas répéter.